Supposed to be now. No. What is going? Nous n'avons pas continué de demander à l'éternel parce que le problème de peuple, parmi nous, la première fois que nous sommes venus, nous ne cherchons pas quelque chose avec le Christ et nous nous asseyons devant le Christ et nous disons Tu es le Seigneur, tu es le Maître, tu es le Créateur. Mais beaucoup de personnes, après ce moment initial, ils vont commencer par poser la question au oh, bon Maître. Si nous pouvons continuer comme ça et comprendre que voici le maître qui est venu du ciel et que voilà le maître, le maître de l'univers. Et que voici le bon maître, quel que soit ce dont nous avons besoin, quel que soit le vent qui va souffler, quelle que soit la réponse qu'il va donner, nous devons savoir qu'il est le bon maître. Et si quelque chose est retardé, il continue de nous regarder, de voir ce qui va se passer. Nous savons qu'il est bon, il est bon à tout moment. Si nous pouvons avoir cela dans notre pensée, quelque soit ce qui se passe dans nos vies, nous devons comprendre que voici le bon maître et il fera de bonnes choses pour nous. Vous savez, lorsque Jésus lui a donné la réponse, il a changé sa pensée. Il n'était plus, il n'est plus, n'était plus le bon maître pour lui. Il n'était plus celui-là qui allait courir vers Christ. Il n'était plus disposé à croire au Seigneur et se soumettre au Seigneur. Il a dit que ferai-je? pour avoir la vie éternelle. Et cette question, ça pouvait être dans notre pensée à tout moment, toute notre vie, qu'à tout moment, nous venons vers le Seigneur. Ô oh Seigneur, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Et si nous venons, nous prions, nous faisons de cette vie éternelle le sujet de notre euh, intérêt plus élevé. Et que même si nous avons posé la question, nous étions sauvés, nous continuons de demander au Seigneur, que dois-je faire alors pour que cette vie éternelle soit sécurisée avec moi et que je ne perde pas la vie éternelle? Si cette question peut rester dans notre cœur à tout moment, ce serait merveilleux pour nous. Je prie que notre désir, la passion, la prière pour la vie éternelle ne quitte jamais nos vies au nom de Jésus. Nous allons considérer le verset 18 dans Matthieu 10. Matthieu 10 verset 18, il dit le verset 18, Jésus lui dit pourquoi m'appelles-tu bon Et il dit, pourquoi appelles-tu Jésus bon Est-ce que c'est parce qu'il a guéri les malades puisqu'il a multiplié les pains ou qu'il a donné du poisson et la multiplier. Est-ce que tu penses à Jésus au niveau de l'homme, c'est-à-dire le niveau de la pensée de l'homme Pourquoi minterpelles tu homme Et être bon. Mais il y a un seul qui est bon, qui est le Dieu. Et le verset 19. Le verset 19. Tu connais la loi, tu connais le commandement. Ne commets pas l'adultère. Ne tue pas. Ne vole pas. Et ne Porte pas de faux témoignages et ne, 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 ne trompe pas. En oh, notre Père, en oh, notre Père, en notre Père. Et ta mère. Et le verset 20. il a répondu et disant, Maître, tout ce que tu viens de dire, j'ai tout fait. J'ai gardé tout cela depuis ma jeunesse. Pensez à cela. Il n'était pas Quelqu'un qui était pécheur profond et profondément souillé, non, il y a des gens qui vont prendre les dix commandements et ils vont euh, accrocher ça au mur comme vous le faites pour vos calendriers. Et les dix commandements là, la décalogue, c'est-à-dire c'est placé là, ils lisent ça à tout moment, c'est comme si c'est pour eux, on appelle cela la matière. C'est-à-dire le, le, les paroles qui les guident tous les jours. Et toutes les fois, ils lisent ça contre le 1 jusqu'à 10. Et malgré ça, vous savez quoi? Le fait, c'est ce qui nous montre ça. Que l'homme peut faire tout cela et ne pas avoir la vie éternelle. Et la vie serait encore vide. Le cœur serait encore vide. Que ce serait comme... Euh, il y aurait un cœur divisé. Est-ce que ceci peut me donner la vie éternelle? Vous pouvez prendre tous les dix commandements, mais vous ne pouvez pas les respecter parfaitement. C'est à ce point-là que cela peut vous donner. Ce n'est pas ce que, vous, ce que cela vous fait gagner ou ce que nous faisons. C'est ce que la grâce de Dieu fait dans nos vies. Il a fait tout cela. Et le verset 21, le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Et Jésus... commence à regarder et l'a aimé. Jésus l'a regardé et l'a aimé. Il n'a pas dit, oh, ça c'est faux. Il n'a pas dit, oh, tu ne faisais pas ça. Il le faisait. Il le faisait. Mais il n'avait pas la vie éternelle. Parce que ce n'était pas l'œuvre de ses mains. Non plus le zèle que nous manifestons par nous-mêmes. L'homme naturel, quel que soit ce qu'il a fait, quelles que soient les bonnes choses qu'il a faites dans sa vie, ne peut pas lui faire gagner la vie éternelle. La vie éternelle vient seulement de la part de Jésus-Christ qui est mort et a donné sa vie pour nous afin que nous ayons la vie au travers de lui. Avez-vous remarqué quelque chose ici? Le regardant, Jésus l'aima. Vous savez, l'amour de Jésus, ce n'est pas un amour qui est... Et qui n'est pas sincère, c'est un amour qui vient de son cœur. Et Jésus est amour. Jésus est l'aimant. Vous savez, l'amour de Jésus seul, sans votre réponse à cet amour, ne va pas vous pouvoir vous sauver. Car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit l'amour de dieu par lui-même, l'amour de jésus par lui, mais seul, ne peut pas vous donner la vie éternelle. il doit avoir une réponse de votre part. il doit avoir un sou, une soumission de votre part. et cela doit vous amener à vous, à vous donner à ce qu'il exige. vous devez le faire d'abord. c'est la réponse que vous envoyez en retour à la rédemption de ce que jésus a démontré par son amour voyez, il dit, vous gardez votre péché. Quelqu'un qui garde ses péchés. Et quand est-ce que tu seras? Tu vas te repentir, être sauvé là-dedans. Moi, je suis sauvé par l'amour de Jésus. Ça ne ça, ça ne veut rien dire ce que je fais. Ça ne veut rien dire si je mens. C'est peu importe si je vole de l'argent. C'est peu importe si je fais autre chose. Je commets de péché, L'amour de Dieu me couvre. Mes, mes, mes actions subordonnées, après que j'ai fait tout cela, non, je suis sauvé par l'amour de Christ. Et non, ça ne marche pas comme ça. Nous devons répondre. Cet homme est venu courant. Cet homme est venu poser une grande question. Bon maître, que dois-je faire de bon pour hériter le royaume de Dieu? Garde les commandements. Je les gardais depuis, sans interruption. Je gardais ces commandements depuis ma jeunesse. Jésus l'aima. Mais cet amour, c'est de l'autre côté encore. Parce qu'il y avait quelque chose à laquelle il tenait et ne pouvait pas laisser. Et il a dit, Jésus lui dit Tu manques encore une chose. Tu manques encore une chose. Nous pouvons faire beaucoup de choses et nous manquons juste une chose. Et juste une chose. Et nous pouvons faire toutes ces autres choses de tous les jours, de la part de... Il a dit que dans nos vies, mais il manque une seule chose. Et Jésus, et dans sa bonté, lui révèle cette seule chose. Vous savez, vous ne pouvez pas dire... Ah, en tout cas, Dieu connaît. Hein. J'ai fait toutes ces bonnes choses. Très beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Qui sont bonnes. Mais cette seule chose, je ne crois pas que je vais faire ceci. C'est une seule chose. Hein. Ça ne peut pas me prendre toute la vie éternelle, mon frère. Ça peut. Oui, ça peut. Ça peut. Parce que lorsque Jésus lui a dit, quelque chose te manque. Va et vends tout ce que tu possèdes. Qu'en est-il de ça? Vends tout ce que tu as. Vous pouvez voir, vous pouvez dire que vous avez compris ce que Jésus disait. Il dit, abandonne ce que tu as. Tu as 100 choses. Laisse ce que tu as et le ciel va te donner tout ce que tu désires. Tu n'es pas un perdant en donnant tout ce qu'il te demande de laisser parce qu'il a la pensée que lorsque toi tu fais ça, les 100% de bénédictions te seront données. L'homme n'avait pas compris ce que Jésus disait. Et c'est ce manque de compréhension que Jésus a vu. Et lui demandant, peux-tu laisser ceci, je t'attends. Si tu laisses ceci, je vais te donner une autre chose qui va te remplacer ça et multiplier cela pour toi. Et alors tu auras plus dans la vie que lorsque tu gardes ce que tu as en main. Alors, va et vends tout ce que tu possèdes et reviens me suivre. Après les avoir donnés aux pauvres. Et alors tu auras de d'héritage de, dans la vie éternelle. Tu auras des trésors dans la vie éternelle. Vers ceci, obéis-moi, fais cela. Tu m'as dit, bon maître, non, je te donne une bonne œuvre, va le faire et tu auras des trésors au ciel. Mais l'homme n'a pas obéi à Christ. Il n'a pas fait ce que Jésus lui a dit de faire. Et au lieu d'avoir des trésors dans le ciel, il a opté pour les tourments dans l'enfer. Parce qu'il n'était pas prêt à avoir la vie éternelle. Déjà, il savait, il savait ce que Christ lui avait dit. Et ce Christ est le donneur de la vie éternelle et que lui n'a pas la vie éternelle. Il n'a pas alors les trésors au ciel, mais il a les tourments dans l'enfer. Et il dit, reviens, prends ta croix et suis-moi. Et le verset 22, on nous dit qu'il était triste. À ce moment-là, il était triste. Il est parti tout triste parce qu'il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Bien. Le verset 28, on nous dit là, Christ a commencé par dire, puis, puis a commencé par le dire. Nous, nous avons tout laissé. Voici, nous avons tout quitté. Les autres ont fait, pourquoi pas toi Les autres ont laissé leur filet. Pourquoi pas, pourquoi pas toi Les autres ont laissé des multitudes de, de poissons qu'ils avaient attrapés. Pourquoi pas toi Les autres ont tout laissé. Et ils ont suivi Christ, le Sauveur. Pourquoi pas nous autres Le verset 29. Jésus répondit au verset 29. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, a quitté tout. Père, mère, oh, enfant, mari, femme, soeur, frère. Verset 20, verset 30 plutôt, qui ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle présent des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous allons considérer ce message intitulé Rechercher le sauveur pour la vie éternelle, pour le salut et la vie éternelle. Nous considérons trois choses. Numéro un, c'est de rechercher la vie éternelle sans abandonner les, sans abandonner les envies de la terre. Numéro 2, la vie éternelle de l'âme au travers de la foi dans l'amour, le Seigneur de l'émancipation. Et numéro 3, c'est la liberté excellente, soutenue et la faveur pour les laboureurs qui évangélisent avec ferveur. Le point numéro 1 c'est de rechercher la vie éternelle sans abandonner les convoitises de la terre. Voyez dans Matthieu 18, Matthieu 19 Matthieu 19 verset 16. Matthieu 19 verset 16. Et Dieu verset 16 ce qui suit que un voici un homme s'approcha et dit à Jésus maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. C'est une très bonne question. Il y a des gens qui posent des questions mais qui ne sont pas prêts pour la réponse. Cet homme a posé une question et il n'était pas prêt de recevoir la réponse. Toute les fois que nous, nous posons des questions, nous devons être prêts de recevoir toute réponse que le Seigneur peut nous donner. Au lieu de dire dans ton cœur autre chose, une idée dans ton cœur par rapport à la réponse, et tu veux que le maître te donne cette réponse-là. Et s'il donne cette réponse, tu secoues ta tête et tu, tu, tu hoches la tête, tu dis oui, je, je pensais, je pensais que c'était ça. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu es venu poser la question alors. Mais après avoir posé la question, il est bon maître, nous savons, il est bon, il va te donner une bonne réponse. Il va te donner une bonne réponse, une bonne solution. Il va te donner une bonne euh, euh, une bonne, une bonne réplique. Alors, il dit, qu'est-ce que je dois faire de bon? Tu espères que ce qu'il va te dire soit la bonne chose que tu espères, qu'on espère de toi à faire. Toute la fois que tu poses une question, il faut être sincère et attendre. Et sois prêt. Et sois disponible pour la réponse qui te sera donnée. Et ce serait différent de la réponse que toi-tu espérais. parce que quoi si tu connaissais la réponse la réelle pourquoi dois-tu encore venir pour poser la question et alors mais cet homme pour que je puisse hériter la vie éternelle je faisais beaucoup de choses mais ce que je veux faire maintenant je veux me rassurer que lorsque je le fais je puisse hériter le je peux hériter et avoir la vie éternelle nous allons diviser cette partie en trois sections Section 1. Rechercher la, le, le, le salut éternel sans la soumission entière. Vous devez savoir, lorsque vous venez, vous devez savoir que c'est Jésus ici, c'est le sauveur, c'est le Seigneur. Je suis prêt à lui à me soumettre à lui. Et tout ce qu'il va me dire, je le ferai. Lorsque nous venons à l'église, nous ne savons pas ce que nous allons écouter. Si nous savions, nous serons venus pour faire quoi Nous sommes venus parce que nous voulons la vie éternelle. Nous savons que toute chose que nous avons faite sur la terre ne va pas nous faire gagner la vie éternelle. Alors nous venons à l'Église et nous disons Seigneur, parle à mon cœur aujourd'hui. Et tout ce que tu vas me dire, je sais, ça va me diriger vers le ciel pour que je puisse posséder la vie éternelle. Alors nous devons avoir un, une soumission totale, une soumission complète. Section 2. Rechercher la satisfaction éternelle sans abandonner la, les substances dangereuses. Nous voulons avoir la vie, la satisfaction éternelle. Ça, c'est notre objectif à tout moment. Et nous devons être prêts d'abandonner. Toutes les substances dangereuses qui peuvent nous faire de tort ou faire de tort à cette vie ou cette satisfaction éternelle que nous recherchons. Section 3, c'est de rechercher des surprises, euh, l'autre des de, 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 de surprises vides pour la, les larmes et pour l'âme éternelle. C'est-à-dire, nous recherchons des choses mondaines de cette vie qui ne pourront pas satisfaire notre âme éternelle. Section 1, c'est Section 1, rechercher le salut éternel sans abandonner la, le, sans, sans la soumission entière. Donc si nous voulons la vie éternelle, il doit y avoir l'abandon total. Retournons dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, le verset 19. Marc 10, verset 19. Il dit, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, à ton père et ta mère. Verset 20, il répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Verset 21, Jésus l'ayant regardé, qui connaissant le cœur de tous les hommes, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Si le Seigneur devait vous parler à vous ce jour, ce moment précis, et il va vous dire, vous manquez quelque chose. Qu'est-ce que sera cette chose? Qu'est-ce que sera cette chose? Une chose te manque. Qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ce sera que tu n'es pas consistant avec ta foi, avec ta confession, avec ta profession? Il te manque une chose. Est-ce que ce sera que tu n'es pas ferme? Des fois tu es en haut, des fois tu es en bas, des fois tu es propre. Des fois, tu es sale. Des fois, tu es d'accord avec le Seigneur. Des fois, oh non, 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 je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le Seigneur est en train de le dire. Et le Seigneur est en train de, de, de diriger son doigt vers ça. Il dit non, 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 Seigneur, tais-toi par rapport à ça. Des fois, tu es positive. Des fois, tu es négative. Il dit une chose te manque. Qu'est-ce que cela sera C'est bon. Intérieur bon. L'extérieur bon, l'intérieur mauvais, pécheur. À l'extérieur, vous sentez très bon, juste, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as. Ce que Jésus disait, c'est quoi Sors de ton cœur l'idole, l'argent, les possessions qui sont devenues une idole dans ton cœur. Et tu les embrasses. Il a embrassé cela à tout moment. Et il n'est pas prêt à se dissocier de ça et penser au Seigneur parce qu'il avait de grands biens. Il avait de grands biens. Il avait des idoles dans son cœur. Quelle idole as-tu dans ton cœur que tu gardes Et le Seigneur dit qu'il ne va pas partager sa gloire avec qui que ce soit, quelque homme, quelque femme, quelque idole. Et cette idole à laquelle vous vous tenez et vous dites encore, je veux la vie éternelle, et le Seigneur dit, une chose te manque. Tu aimes cette chose au-delà de moi. Tu as donné ton cœur à cette chose plus que moi. Est-ce que tu peux abandonner ça? Tu veux la vie éternelle, non. Toute idole doit sortir. Tu dois la jeter loin de toi. Et maintenant là, tu es tellement envieux. Tu es tellement intime avec euh, euh, tes idoles, très intime avec tes idoles, tu ne veux pas te dissocier. Personne ne peut te donner de l'argent pour que tu puisses te libérer de ça. Personne, quelqu'un peut être euh, dans, dans la faim et tu n'es pas prêt à laisser cette idole. Alors, quitte cette idole, enlève cette idole de ton cœur, quelle que soit la personne que tu aimes. Quelle que soit la chose que tu aimes, plus que Christ, plus que le, la parole, plus que ton salut, plus que la vie éternelle, tu dois te dissocier, te débarrasser de ça et donner aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Vous avez parlé du ciel, vous avez prié du ciel, ou à propos du ciel, vous voulez aller au ciel et vous asseoir au ciel, dans la maison au ciel, vous voulez être un participant des, de, des bénédictions de Dieu au ciel, alors fais ceci. Débarrasse-toi complètement, sépare-toi de toute idole, et viens à moi et suis-moi. Et prends-moi comme ton seul sauveur. Et Seigneur, et tu penses à moi à tout moment, et tu me suis à tout moment. Voici ce qu'il dit le verset 22 maintenant. Mais affligé. Tout ce qui peut enlever cette idole de toi, il était affligé. Voici la femme, tout ce qui peut lui enlever cette femme, oh il était, il était vraiment affligé. C'est un homme, c'est une femme, qui peut enlever cette, cet homme de moi, il était, elle était elle était affligée. C'est un plaisir. Quiconque va me l'enlever, il était ça, il était affligé. Et tout ce qui peut m'empêcher de faire ce que je dois, je te, ce que j'aime, il était affligé. Qu'est-ce qui t'afflige? Qu'est-ce qui t'afflige? Et quand on te dit de laisser, tu n'es pas d'accord. Tu es sauvé et tu remplaces Christ dans ton cœur. Et le Seigneur te dit: tu m'appelles Seigneur. Tu m'appelles maître, tu m'appelles sauveur, tu m'appelles le sanctificateur, tu m'appelles celui qui bâtit dans le Saint-Esprit, tu m'appelles le rédempteur, tu m'appelles le guérisseur, mais je ne suis pas numéro un dans ta vie. Si tu veux aller dans la terre éternelle, enlève cette chose qui est. Était numéro un, et fais de moi numéro un et enlève cette chose de ton cœur. Et alors suis-moi, et tu auras la vie éternelle. Est-ce que tu es content lorsque Christ te dit ça Est-ce que tu es affligé lorsqu'il te dit ça Il dit, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. De grand, le grand provoyeur n'est pas numéro un. Le grand propitiateur, le propitiateur de notre péché n'est pas numéro un. Et le grand prince du ciel n'est pas numéro un dans sa vie. Il avait de grandes possessions, de grandes possessions, de grands biens. Point numéro la section 2, c'est rechercher la satisfaction éternelle sans abandonner des substances dangereuses. Il y a certaines substances qui sont vraiment poisonneuses et qui, qui mettent en danger notre vie physique, qui mettent en danger notre vie spirituelle. Et qui mettent en danger notre vie éternelle, spirituelle. Et cet homme avait des substances. Et ces substances mettent en danger sa satisfaction éternelle. Alors, puisque cela était ainsi, il n'a pas pu avoir la vie éternelle. Est-ce que je peux m'asseoir dans ma chambre privée et penser à vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose? dans ce monde est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce monde qui que lorsque la personne abandonne le Seigneur je vais le suivre je vais la suivre parce que elle il m'est précieux que s'il décide si elle décide de ne plus suivre le Seigneur moi aussi je dois le suivre Alors, elle va dire pardon pardon reste à cause de moi et si la personne te dit, non, 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 j'ai décidé et je dois partir. Elle dit, ah ok, tu vas où? Allons-y ensemble. Ça, c'est ton idole, ça. Que tu n'es pas en mesure de laisser cette personne, ce pécheur, cette, ce retrograde, cet enfant prodigue, cette personne prodigue, parce qu'elle est en train d'aller dans la terre lointaine. Qu'est-ce que tu as avec lui Pour ne pas être avec le Seigneur. Voilà, ça, c'est l'idole. Et il voudrait que tu sondes ta vie et ton cœur pour voir s'il y a de substance, quelque chose. Substance que tu es en train de t'injecter. Et cela te montre d'être sur les nerfs. Tu es, tu es en haut, ça t'amène en haut. Quand tu t'injectes ça, tu peux jouer n'importe quel jeu sur n'importe quel terrain. Lorsque cette substance est au-dedans de toi, Là, le Seigneur te dit, une chose te manque. C'est que tu vas rechercher l'énergie de la part du Seigneur, le courage de la part du Seigneur seul. Tu dois rechercher la substance de la part du Seigneur seul et laisser ces autres choses. Si tu veux gagner le Seigneur comme ta force, tu dois abandonner cette substance que tu ingurgites. Alors, est-ce que tu es triste? Est-ce que tu dis, oh non, j'ai de mauvais effets dans mon système, dans mon organisme? Si j'abandonne cette substance, nous voici. Je ne peux pas. Euh, être bon. Alors, vous ne pouvez pas rechercher la satisfaction éternelle avec les paroles de la bouche. Vous devez tôt, totalement tout abandonner au Seigneur afin de pouvoir posséder tout ce que vous demandez auprès de Lui ou ce qu'il exige de nous. Marc chapitre 10, 10 verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, il dit, en, pre, en reprenant, il dit mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. Les richesses, les possessions, les ont possédées. Les richesses, ils les ont possédées. Il dit que Jésus a parlé, il dit que ceux qui se sont, ceux qui sont possédés par leur argent et qui ne possèdent pas l'argent, c'est l'argent qui les possède, il leur sera difficile très difficile avec les substances de ce monde qu'ils possèdent. Ils ne possèdent pas juste les substances, mais ils sont possédés par les substances. Et il serait dur pour eux, difficile pour eux d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le verset 24, il est plus facile. Le verset 24, maintenant, les disciples étaient très étonnés de sa parole. Mais Jésus leur répondit. Il était étonné de ce que Jésus parlait ainsi et reprenant, il dit: Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans la richesse d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui se confient dans la richesse, la richesse d'un côté et le rédempteur de l'autre côté. Nous devons faire confiance complètement au rédempteur comme notre substitut, comme le sacrifice final, comme notre sauveur, mais au lieu de que l'homme lui fasse confiance, il a fait confiance à ses richesses. Jusqu'où la richesse peut aller La richesse ne peut pas aller aussi loin que le ciel. La richesse peut aller aussi loin que, aussi loin que le, le magasin, là où vous l'avez acheté. Les richesses ne peuvent, aller aussi, ne peuvent aller aussi loin que sur cette terre. Ça ne peut pas aller au-delà de la terre. Ça ne peut pas aller jusqu'à te donner l'allégresse, la vie heureuse, la paix du cœur. La richesse ne peut pas te donner au-delà de ce que tu désires de garder ta famille ensemble. La richesse ne peut pas aller aussi loin que de transformer, d'enseigner de, de, tes enfants pour qu'ils puissent vivre la vie juste. La richesse ne fait pas ça. La richesse peut être en mesure d'acheter de, de, quelque chose de physique mais ne peut pas aller au-delà de la terre ou faire aller loin sur la terre, donc ça ne peut pas non plus aller jusqu'au ciel. Le ciel, vous savez, c'est le Rédempteur, ce n'est pas la richesse qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour aller au ciel. Alors, il dit, comme les disciples étaient étonnés de ce qu'il disait, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, Jésus leur dit que c'est difficile à ceux qui se confient ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il nous dit dans le verset 25, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est temps de nous dire là que comme nous sommes venus rechercher le Seigneur, et nous sommes venus rechercher la vie éternelle, la vie éternelle, la satisfaction éternelle de sa part. Nous devons être en, en mesure d'abandonner toutes les autres substances dangereuses. La section 3, la section 3, nous parlons de rechercher des provisions vides pour l'âme éternelle. Notre âme est éternelle. Et tout ce que vous recherchez de cette terre, c'est des choses vides qui ne peuvent pas nourrir l'âme, qui ne peuvent pas sauver l'âme, qui ne peuvent pas satisfaire l'âme. Et toutes les autres choses que nous recherchons, recherchons des, sur des provisions vides. Est-ce que vous pouvez penser un peu à ça dans cette vie? Nous dépensons de six jours, plein jours de ça, de lundi jusqu'au samedi. Et nous recherchons, 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 recherchons les choses qui ne peuvent pas satisfaire l'âme, qui ne peuvent donner que la nourriture au corps, la boisson à notre organisme, qui ne peuvent donner que des choses temporaires à notre corps. Et nous, deux, nous avons également notre euh, esprit, nous avons encore l'âme qui ont besoin d'être nourrie Et nous avons des éléments éternels en nous que si nous mourons, nous allons de l'autre côté dans l'éternité, que cela soit à la gauche ou à la droite. Et nous passons à peine une fraction de jour, le, le, le dimanche seulement, pour rechercher le salut de l'âme qui est éternelle. Et tous les autres six jours, nous sommes ici et là avec les épaules dans la terre, recherchant le ciment, le sable. Vous savez, les choses qui sont sur la surface de la terre. Et ces choses ne satisfont pas. Et toutes ces années, nous sommes allés à faire de telles choses sans changer notre perspective en recherchant les choses qui satisfont l'âme. Nous voyons dans Ésaïe 29, le verset 8. Ésaïe 29, le verset 8. Il dit, le verset 8, que ce sera... Comme celui qui a faim, rêve qu'il mange, puis s'éveille. L'estomac vide. L'estomac vide. Toutes les choses de, ce, de cette vie, après lesquelles les gens courent, on, peut les, on les appelle juste les mirages de la vie. Lorsque vous êtes en train de, de, de voyager, vous allez voir que devant vous, lorsque le soleil brille, vous allez penser qu'il y a de l'eau sur le, le goudron. Mais c'est le mirage. Arriver là-bas, c'est il y a rien. C'est le mirage. Vous pouvez penser que ah, l'eau là, c'est aller loin. L'eau, et vous courez, vous courez. Je veux avoir le lieu. Je veux avoir le lieu de l'eau. Vous arrivez là-bas, c'est ça disparu. C'est le mirage de la vie. C'est le mirage de la vie. Et il dit que votre âme a faim, a soif. Et dans le rêve, vous avez dit ah j'ai rêvé et le rêve c'est le rêve de jour. Le rêve de jour c'est que je vais avoir ceci, je vais avoir ceci, je vais avoir cela, je désire avoir. Et finalement vous arrivez là-bas, vous dites euh, c'est le rêve de jour et il y a rien là. Vous avez bu dans le rêve, vous vous réveillez et vous avez encore faim. C'est comme si celui qui a soif rêve qu'il boit puis s'éveille. Épuisé et languissant lorsqu'il s'éveille. Ainsi en est-il de la multitude des nations. Ainsi en est-il de la multitude des nations qui viendront attaquer la montagne de Zion. Ésaïe, chapitre 28, le verset 20. 28, verset 20. Il dit Le lit sera trop court pour s'y étendre. Le lit sera trop court pour s'y étendre. Tout ce que nous faisons dans la vie, tout ce que nous recherchons dans la vie, tout ce que nous amassons sur la terre, tout ce que nous pensons pouvoir nous satisfaire. Il dit que c'est juste comme un lit, hein? un lit qui est plus court que celui qui s'éveille, que celui-ci s'étend sur ça. Il va vouloir s'étendre, mais c'est trop court. Et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Pensez à cela. C'est comme si vous prenez euh, un, un pagne qui est moins qui est moins long, trop court par rapport à votre corps. Vous prenez euh, appelons peut-être un foulard pour vous couvrir comme si c'est un pagne. Ça ne peut pas vous satisfaire. Nous considérons Luc chapitre 16, le verset 22. Luc chapitre 16, le verset 22. Le verset 22 nous dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham et le, 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 le pauvre n'a pas pu avoir toutes les satisfactions dont il avait besoin sur la terre. Mais c'est juste pour, pour peut-être 100 ans. 80 ans, 70 ans, mais après ça, il est parti dans la, la, les saints d'Abraham. 60, 40, oh, après ça, il est parti pour 100 ans, 1000 ans, jusqu'à la fin de l'éternité. De c'est la satisfaction pour toujours. Mais sur la terre, c'est juste un peu de désatisfaction. Aussi, le, le, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23, dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. 24, il s'écria Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchissent la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Il avait les, 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 provi les provisions vides qui n'ont pas pu lui donner la vie éternelle. Il avait de grandes provisions de sang de 70, 80, 60 ans. Il a passé tout ça, il est parti de l'autre côté et lorsqu'il est allé là-bas, il a découvert que les tourments la douleur, la, le vide, la sensation vide et la vie sans aide dans l'enfer a continué au-delà de 100 ans, au-delà de 1000 ans, au-delà de 10 millions d'années, pour toujours et pour toujours. Une brève période de satisfaction ici sur la Terre, une très très longue, éternelle vie de tourment. Et pas d'aucune goutte d'eau pour rafraîchir sa gorge. Verset 25, Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Pour cent ans, tu as tout reçu ici. Et ta vie était dans, 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 dans le bonheur. Il a tué la terre. Et que Lazare a eu des mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. Au-delà de ça, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Quel dommage pour cet homme. Nous venons maintenant au point numéro 2. Le point numéro 2, nous considérons à la vie éternelle de l'âme à travers la foi dans le Seigneur qui émancipe. La vie éternelle de l'âme. Au travers la foi en le Seigneur qui émancipe. Nous allons considérer trois sections ici. ici. Numéro 1, nous parlons de la repentance et l'abandon des péchés avant. La vie éternelle numéro 2 recevoir et manifester la foi dans le sauveur pour la vie éternelle et section 3 la rédemption et le fait de suivre ses pas jusque dans la vie éternelle. La section 1 alors, la section une alors c'est la repentance et l'abandon des péchés avant la vie éternelle avant de pouvoir posséder ou prendre part, avant de pouvoir jouir de la vie éternelle. Marc chapitre 10, le verset 21. Marc chapitre 10, le verset 21. Jésus le regardant, l'aima. Il l'aima parce que... Il a, il, a couru, il a couru pour venir vers Christ. Il nous aime parce que nous sommes courus dans l'église. Nous sommes courus pour venir et nous voulons écouter sa parole. Il nous aime pour ça. Je veux connaître sa pensée. Mais dites-moi, je veux savoir, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Je suis venu dans l'église. Il nous aime pour ça. Et nous essayons de faire. Nous avons une charge à porter. Et nous n'avons pas la force pour le faire. Alors vous vous, 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 vous fléchissez et vous prenez votre votre charge jusqu'à ce qu'une aide vienne. Vous savez, nous sommes en train de l'aider à nous aider de faire ce que nous devons pas faire pour nous-mêmes ou ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Et nous devons être aussi sensibles pour savoir qu'il est un bon maître, il est un bon maître, il est un bon enseignant, il est un bon rédempteur qui peut nous aider et il peut vous donner la grâce pour que nous puissions mener la vie qu'il faut pour atteindre ce que nous voulons atteindre. Parce que quoi? Il a vu qu'il était venu, il l'aima. Mais il lui dit Une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi en prenant ta croix. Et si l'homme avait dit Christ, je le veux bien, mais je n'ai pas la force. Ce que tu me dis là, là, je crois à la vraie réponse. Oh, je souhaiterais bien faire cela, mais je n'ai pas la force et le pouvoir en moi de le faire. Peux-tu me donner la grâce pour que je puisse parvenir à le faire Peux-tu me donner la capacité de le faire L'apôtre Paul a dit la grâce de Dieu nous rend, l'a rendu capable. La, la grâce de Dieu peut nous rendre capable si nous lui demandons cette grâce. Mais il n'a pas demandé. Il était quelqu'un qui se faisait lui-même ce qu'il voulait. Et il dit que si je veux déposer ça avant d'avoir la vie éternelle, je peux le faire pour moi-même. Je ne peux pas le faire donc. Alors il est parti. Il ne faut pas partir. Reste là, mon frère. Demande la grâce. Tu es tombé, tu es tombé, tu es tombé. Il ne faut pas dire, il n'y a pas de... Ça, ça ne vaut pas la peine. Il ne faut pas le dire. Tu, le, tu tombes parce que tu comptes sur ta propre force. Pourquoi ne pas venir croire au Seigneur? Et dépendre totalement de lui. Et alors il va t'aider à posséder la grâce et la miséricorde qui va te faire accorder la vie éternelle. 28, verset 28. Lorsque Pierre a vu ça, il a commencé par lui dire Voici, nous avons tout quitté. Nous nous avons tout quitté. L'homme n'a pas pu quitter ce que le Seigneur lui a dit de quitter. De le vendre, de laisser ça partir et de venir le suivre. D'autres l'ont fait. Comment ils ont pu le faire? Est-ce que c'est pas leur force? Non. Nous savons que Pierre n'avait pas de force de faire cette chose-là par lui-même. Seigneur, est-ce que c'est toi qui marches sur l'eau là-bas? Oui, je le suis. Ah, si c'est toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi. Et je lui ai dit, viens. Et la grâce l'a fait mettre sur l'eau. Et la foi l'a fait mettre sur l'eau, il a marché pour aller vers Jésus. Ce que nous ne peut pas faire par notre propre force. Nous, tu veux la vie éternelle, tu veux la vie éternelle, alors tu es vraiment désespéré en voulant la vie éternelle. Demande la grâce. Et il va t'aider. Et il va te donner la capacité de le faire. Mais vous dois, tu dois avoir la foi en lui. Tu dois avoir la foi en lui. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Pas la grâce. c'est pas la grâce que nous pouvons venir. Et c'est pas la grâce que nous pouvons recevoir de l'aide. Il dit nous devons venir vers lui avec courage, demandant la grâce et la miséricorde pour être aidés dans les temps de besoin. Dans, Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 2, Apocalypse 2, le verset 4, Apocalypse 2, le verset 4, il dit Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, ici c'est une église croyante. Et l'ange de cette église, c'est-à-dire le leader de cette église, il, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait cela, c'est bon. Mais une chose te manque. J'ai contre toi quelque chose. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas, ça, ça ne vaut pas la peine, qu'est-ce que je peux faire, mon premier amour. Euh, comment est-ce que nous avons gardé notre amour Notre premier amour, c'est singulier. Notre premier amour, c'est spectaculaire. Notre amour premier, c'est pour lui et lui seul. Sans rival. Sans rival. Et lorsque nous allons, de, de, nous allons plus loin, d'autres choses se sont venues pour se présenter. Nous les avons aimées. Et nous avons un premier amour. Nous donnons un peu de cet amour à cette autre chose qui est venue. Une autre chose vient encore. Nous prenons encore de, une partie de cet amour et nous donnons. Une autre chose vient, nous prenons encore un peu de cet amour et nous donnons. Nous partageons l'amour entre ces choses. Et ce qui reste ne peut plus. N'a pas dit que tu, tu étais là. Avec moi, j'étais seul. Mais des rivaux sont venus dans nos vies. Des rivaux sont venus dans nos vies. Donc, les rivaux sont venus sur notre chemin. Des rivaux sont venus dans notre dévotion. Des rivaux sont venus dans notre affection pour le Seigneur. Et il dit maintenant j'ai contre toi quelque chose. Une chose, j'ai contre toi. Pourquoi Parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi, le verset 5, d'où donc tu es tombé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé reviens avec moi reviens avec moi Re, rappelle-toi comment tu as enlevé une partie de l'amour pour donner à une autre chose tu as pris une partie de l'amour que tu as pour moi pour donner à l'autre chose une partie de l'amour que tu as pour moi tu as donné à l'autre chose maintenant les rivaux sont pleins là et aussi que notre sauveur est là les autres choses sont là il sortait de rechercher et de disputer l'amour là avec le sauveur. Et cette chose auquel nous avons donné notre amour, il a dit de nous rappeler comment nous sommes tombés. Comment est-ce que je suis parvenu à ce point que maintenant il y a des rivaux avec le rédempteur dans ma vie? Je me rappelle, j'ai donné mon amour à cette chose. Je dis maintenant, Seigneur, aide-moi. Je retire l'amour. Et je le ramène à Christ. J'avais donné l'amour à cette personne. Et alors, j'ai mécompris le fait d'aimer mon frère et ma soeur. Maintenant, je suis confus. Je vais me concentrer sur ces jours. Et je ne peux pas m'amener au ciel. Alors, j'enlève cet amour. Je leur avais donné l'amour que je dois donner au Seigneur. Je le ramène et je donne ça au Sauveur. Je me souviens de là où je suis tombé. Rappelle-toi comment toutes ces choses ont saisi ton cœur. Je me souviens, comment est-ce que ces choses m'ont distrait et je les retourne et je reviens vers le Seigneur. Et tout ce que j'avais perdu, je comme l'amour, je reprends ça pour le Seigneur. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et reprends-toi. Détourne-toi. Il ne faut pas dire euh, non, 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 non avec le je veux retourner avec lui. Et pratique les premières œuvres, les choses que tu devais faire. Lorsque tu avais cet amour brûlant, l'amour passionné, le zèle pour le Seigneur, lorsque tu as, comme tu as recouvert cet amour, fais ce que tu as l'habitude de faire auparavant, au moment où tu le faisais avec l'amour plein pour le Seigneur, avec l'engagement que tu prenais pour le faire, avec la ferveur que tu prenais pour le faire tu devras reprendre avec les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi rapidement et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ceci nous dit alors que les gens qui mentent, ce que je veux dire, c'est quoi Ils mentent. Ils disent des mensonges dans leur théologie. Ils disent des mensonges dans leur prédication. Ils disent des mensonges. Dans leur exhortation, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Dieu aime tout le monde. Terminé. Que tu l'aimes ou pas, Dieu t'aime. Ne t'en fais pas. C'est un mensonge. Que tu lui sois dévoué ou non, il t'aime. Dieu t'aime. Ça, c'est un mensonge. Ils disent que tu as sauvé, non Tu as sauvé pour toujours. Tu as sauvé par l'amour de Jésus seul. Que tu maintiennes le premier amour envers lui ou pas, ça ne veut rien dire. Il t'aime, c'est un mensonge. Jésus a dit, une chose que tu manques là, Jésus a dit, j'ai contre toi quelque chose parce que tu as abandonné ton premier amour. Maintenant ils disent, tu as une opportunité aujourd'hui de te repentir et tu reviennes. Et tout cet amour que tu as enlevé de moi pour le donner aux autres, ramène-moi ça. Et Retourne encore avec cet amour et pratique tes premières œuvres avec passion comme tu avais l'habitude de les faire. Sinon, si, ne, si tu refuses de le faire, si tu es sauvé, et ça ne veut rien dire, ça peut, ça, 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 peu importe, je, je reste là, reste là. Et tu es le rival, tu es le rival du, euh, euh, du, du sauveur, reste là seulement, reste là, je ne vais pas faire quoi que ce soit. Il a dit. Je vais revenir vers toi rapidement et j'enlèverai, j'ôterai je, ton chandelier. Il n'y aurait plus jamais de la lumière dans ta vie, plus aucune expérience. Tu serais juste dans les ténèbres. Section 2, section 2. De recevoir avec foi le Sauveur pour la vie éternelle. Dans Jean, Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, oh, la maison est remplie, toutes les chambres sont occupées et le roi veut venir. Tu dois évacuer tous les gens qui sont là pour que le roi puisse venir et rester avec toi. Tu aimes ceci, tu aimes cela, tu cours après ceci, tu cours après l'autre. Tout ton temps, c'est perdu, tout, tout ce que là, les... tout est occupé. Il n'y a pas de vac... il y a pas de poste vacant. Tu n'as pas de place pour aimer une autre personne de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta pensée. Si lui doit venir aussi beaucoup que ce sont eux là qui ont occupé tes chambres, tu dois évacuer tous ces locataires. Il doit, tu dois le faire sortir parce que le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, veut faire son entrée pour demeurer là avec toi. Et s'il y a le péché, le péché, à tout moment tu pêches, alors tu es en train d'alourdir ton cœur. L'orgueil est assis là. La convoitise est assise de l'autre côté. Et la convoitise aussi est là-bas. Les côtés de la chair, les œuvres de la chair sont là, sur la table. Tout est occupé dans le cœur. Maintenant, il veut entrer. Regarde, je suis à la porte et je frappe quelqu'un qui entend ma voix, qui ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Il dit, merci Seigneur. Mais euh, c'est que je te donne le prix. Je te valorise au-dessus de tous les locataires de ma maison. Alors tu dois les évacuer de ta maison, tu dois les chasser de ta maison, tu dois te repentir de tes péchés et venir au Seigneur et il dit que aussi beaucoup que sont ceux-là qui l'ont reçu. Qui l'ont vu tel qu'il est, aussi élevé comme il est, qui l'ont reçu comme aussi précieux il est. Il dit ceux-là qui l'ont reçu, c'est ceux-là seuls. C'est à eux qu'il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu lesquels qui sont nés. Et Dieu verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Attendez. Nous ne pouvons pas être orgueilleux. J'allais dire. Être euh, arrogant. Ou être des gens qui recherchent pour nous seuls. Avec le Seigneur. Négatif. Souillé. Nous ne devons pas. Être là pour que vous ne veut pas tout laisser. Nous devons tout laisser. Si votre cœur est rempli avec l'égoïsme, avec toutes ces choses qui, qui, qui sont salissantes, Christ ne peut pas venir. Regardez, la, le, le seau est rempli. Est-ce que vous pouvez encore remplir ce seau de quelque chose C'est déjà rempli. Vous êtes déjà rempli. Donc, vous ne pouvez plus le faire. Donc, vous devez vous vider et avoir la, la plénitude de Satan. Et avoir la si la plénitude de Satan était là, vous devez les flocher, vous devez les enlever, vous devez les dégager. Et les attitudes euh, mauvaises et pécheresses, honteuses, vous devez les faire sortir pour avoir la plénitude de Christ. Et c'est dans ça que vous avez la grâce pour grâce. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ephésiens 2, verset 8. Ephésiens 2, verset 8. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. À travers la foi. Pas le moyen de la foi. Vous croyez à cette personnalité. Vous avez pris leurs propos comme le, euh, le, le, la pièce de valeur. Maintenant, Christ vous est présenté. Et vous avez cru à oh, papa, maman au, dé, au début. De votre vie. Papa, comment on appelle ceci Et il vous dit, c'est comme ça on appelle. Vous avez gardé cela, vous avez accepté cela. Et vous n'avez pas discuté avec papa. Mais maman, comment on appelle cette feuille Et maman te dit, et tu t'es accroché à ça. Tu n'as pas discuté avec maman, tu n'as pas essayé d'aller chercher chez une autre personne. Maman m'a dit que l'herbe là est appelée comme ça. Est-ce que c'est vrai, madame Tu n'es pas allé demander ça, non tu dois déposer toute ta foi, toute ta foi que tu as pu avoir, la foi dans le Père, la foi dans la maman, la foi dans le voisin là, la foi dans euh, euh, le taximan. Tu dois maintenant absolument prendre toute cette foi et toute cette confiance que tu avais sur les autres personnes. Tu mets tout sur Christ. Je meurs pour toi. Pas d'argument, j'accepte. J'ai payé le prix pour toi. Je n'argumente pas, j'accepte. Maintenant, pour que tu puisses avoir cette vie éternelle, ce salut, voici ce que tu dois faire. Euh, tu, tu as perdu un autre, autre leader d'église, euh, champion quelque part là-bas. Christ a dit, c'est moi seul que tu vas pouvoir être sauvé. Tu dois accepter cela. Et si tu manifestes cette foi sur ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, au-delà de ce que tu as cru à qui que ce soit dans ta vie, alors le salut va venir vers toi parce que c'est pas la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu. Nous venons maintenant au point 2, au point 2, nous parlons de sa rédemption en suivant ses, ses pas dans la vie éternelle. Suivre le Christ, le suivre dans ses pas pour la vie éternelle. Nous ne peut pas suivre Satan Jusque dans la vie éternelle, parce qu'il ne peut pas aller au ciel. Il n'a pas la possibilité d'aller au ciel. Il dit Celui que vous suivez ne peut pas suivre le rétrograde prodigue dans la vie éternelle, parce que le prodigue rétrograde n'est pas en train d'aller au ciel. Il ne peut pas aller au ciel. Il faut faire attention à qui tu suis. Il ne peut pas suivre un chrétien ignorant. Il est un chrétien, mais il est ignorant. Il ne connaît pas beaucoup de choses. Gloire à Dieu, il est sauvé. Gloire à Dieu, il est croyant. Mais il ne connaît pas la Bible. Il n'a pas les propos de les mots de Christ. Il ne connaît pas la puissance, le, le, le chemin que Christ entreprend. Comment pouvez-vous le suivre et suivre une personne, de, de, une telle personne qui ne peut pas vous amener au ciel On ne peut pas amener un pélé, euh, suivre un pèlerin qui est en train d'aller sur une autre voie. Parce que la voie est la voie large conduit dans la destruction, la voie large conduit dans le, le tourment éternel, la perdition qui ne finit pas. Nous ne peut pas le suivre. Le seul que nous pouvons suivre pour atteindre la vie éternelle. N'avez-vous pas entendu ce que Jésus a dit? Il dit Va, vend ce que tu as, donne le aux pauvres, et reviens. Et suis moi. Ça, c'est le chemin pour la vie éternelle. Le chemin pour la vie éternelle. Nous avons la rédemption et nous allons de, de le, continuer de le suivre et mettre nos pas dans ses pas pour atteindre le lieu que nous devons atteindre. Il nous a dit dans Jean chapitre 8, le verset 11. Jean chapitre 8, le verset 11. Jean 8, verset 11. Il dit, Personne, Seigneur, Jésus lui dit. Moi non plus, je ne te condamne. Moi non plus, je ne te condamne. J'ai condamné ton adultère. Je condamne ta fornication. Je condamne ton action de péché. Oui, mais je suis venu sauver. Je suis venu pour racheter. Je suis venu pour établir la, la, la liberté des captifs. Alors, je ne te condamne pas maintenant pour ça, pour la destruction, la perdition éternelle. Mais je dois te faire sortir pour que tu ailles dans la vie éternelle. Alors, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Et le verset 12. Jésus leur parla de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, celui qui me suit, ce n'est pas qui avait suivi dans le passé et maintenant il a cessé de suivre. Non. Seigneur, je vais prendre un congé de te suivre. Donc dans le futur, je vais revenir encore pour te suivre. Non. C'est ceux qui sont sauvés et qui ont continué de suivre, de suivre, de suivre. Et ils ne sont jamais fatigués de suivre. Parce que quoi? C'est Jésus qui y suit et Jésus leur donne la force. Le Jésus qu'ils suivent leur donne la grâce. Le Jésus qu'ils suivent leur pourvoit toute la force, l'énergie, jour après jour. Et alors, nous avons cette grâce, nous avons cette force, nous avons cette capacité et nous continuons de suivre. De jour, nous suivrons. De nuit, nous suivrons. Et lorsque les autres essayent de s'imposer à nous, avec leur personnalité, et ils disent, suivez-moi, suivez-moi, nous allons dire, oh, non, monsieur, non. Nous suivons déjà Christ. Et toi, tu es au-delà, tu es très, très loin de Christ. Donc, nous suivons celui qu'on doit suivre. Nous suivons Christ. Lorsque nous étions seuls, pas nous-mêmes, nous suivons Christ, qu'est-ce que Christ aurait fait Lorsque nous avons d'autres personnes autour et que les autres essaient de nous dire, ah, nous sommes tous de ce côté, allons-y, et qu'ils n'ont pas la connaissance de Christ, la vision de Christ, la force de Christ, nous les abandonnons et nous suivons Christ. Il dit que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, 21. un Pierre 2, verset 21. Et c'est cela, c'est à cela que vous avez été appelés. Vous avez été appelés parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces, ses pas. Sous titre 3, c'est la libéralité excellente, soutenue, et les faveurs pour les laboureurs qui évangélisent Pierre, Jean, Jacques, Matthieu, et tous les autres, les douze disciples qui ont été appelés par Christ et qui, le suivaient, qui suivaient le Seigneur, et qu'ils étaient, lib étaient libres. Et ils étaient des gens li libéraux. Ils donnaient libéralement au Seigneur. Et Dieu, le Seigneur aussi, leur donnait le désir de leur cœur et les faveurs qu'ils n'ont jamais euh, pensé avoir. À cause de ce qu'ils ont fait, qu'ils ont tout abandonné et qui sont venus au Seigneur et ils ont obéi au Seigneur, le Seigneur leur a dit qu'il y aurait de la libéralité il y aurait de l'excellence. De la liberté excellente qui va soutenir leur vie et tous leurs besoins seront pourvus et les faveurs leur seront accordées parce qu'ils sont des gens, des laboureurs qui, aient, qui évangélisent avec ferveur. Ça, c'est le point 3. Nous allons voir ça sous trois sous-sections. Parlant de ces laboureurs qui suivent Christ de façon constante dans leur vie. Et numéro 2, c'est la libéralité constante. Dans le don au consacré. Et numéro 3, c'est de vivre avec courage et jamais regarder derrière, loin de sa commission. Nous considérons la section 1, la section 1 parlant des laborateurs, constamment vivant, constamment laissant tout pour Christ, pour suivre Christ, constamment laissant tout pour Christ, pour suivre Christ. Alors, Matthieu 19, le verset 27. Matthieu 19, verset 27. Pierre prenant alors la parole lui dit Voici, nous avons tout quitté. Tout. Quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il quand sera pour nous Qu'est-ce que nous allons avoir Laissant ils ont tout quitté. Laissant tout, quittant tout. Après que nous avons tout quitté, que nous sommes sauvés. Ce n'est pas si nous, nous avons tout quitté, que le, la semaine suivante, quelque chose venait à prendre notre, notre temps, prendre notre attention, prendre notre force, prendre notre consécration et exiger de notre part que quelque chose que nous avons laissé, nous les prenons encore et nous donnons encore attention à ces choses. Non. Si nous avons fait cela, nous ne serons pas constamment en train de quitter tout. Lorsque vous laissez, vous quittez les, 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 les luxures et tout autre, une autre luxue va venir et vous allez tout laisser pour Christ. Lorsque vous laissez votre substance au début, lorsque Dieu vous a appelé, maintenant que vous êtes en train d'aller aujourd'hui, en ce moment, maintenant, il voudrait que vous continuiez de quitter. Cette chose qui est encore venue maintenant à cause de lui et pour son travail. Si vous n'êtes pas constant dans votre fait, dans le fait de quitter les choses pour venir, vous ne pouvez pas réussir. Au début, vous avez donné votre temps. Maintenant, vous êtes sauvé, vous êtes sanctifié, vous servez le Seigneur et vous faites les choses comme cela se doit. Vous ne pouvez pas donner maintenant votre temps au Seigneur. Vous êtes occupé à beaucoup de choses et vous vous servez vous-même. Vous ne servez plus le Seigneur, ça veut dire que vous n'avez pas quitté. C'est ce qui s'est passé lorsque Pierre a dit, je m'en vais pécher, je m'en vais pécher. Et ce qu'il avait laissé auparavant, il était retourné à cela. Tu dois constamment les quitter cela dans ta pensée et laisser cela au Seigneur. Tu dois constamment donner, donner, donner et abandonner ce que tu avais quitté. Et dire, moi, je vais aller pécher. Et l'ancienne histoire s'est répétée. Cette nuit-là, il n'a rien attrapé. La première fois que Jésus l'avait rencontré sur la rivière, ou bien, et il a dit tous les saints pour, pour suivre le Seigneur, Jésus lui a dit Jette ton filet. Et puisqu'il a pris en ce moment, il est retourné maintenant pour encore aller pêcher. Il a refusé de donner son temps, il n'a rien reçu. Jésus est revenu encore, il a dit Enfant, avez-vous quelque pain Il a dit n'avons rien. Nous sommes retournés encore à l'ancienne vie. Nous avons attrapé, attrapé, attrapé. Nous sommes retournés encore à la vie ancienne de la gourmandise. Et à cause de cette gourmandise, nous n'avons rien reçu. Il dit, jette ton filet là-bas. Ils l'ont jeté. et Ils ont attrapé de gros, gros poissons. Et Jean a dit, <laughs> c'est le Seigneur, hein? c'est de cette façon qu'il agit. Il nous a retrouvés ici au moment où on était au début, lorsque nous n'avons pas tout quitté. Maintenant, il nous a retrouvés ici parce que nous savons ce qui s'est passé. Maintenant, c'est le Seigneur. Jésus est revenu à Pierre, dit, Simon Pierre, fils de Jonas. Fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ceci? Est-ce que tu peux encore abandonner ceci? Est-ce que tu peux encore continuer d'abandonner mon... Ton confort, ta, ton zone de, ta zone de confort et me suivre. Mais m'aimes-tu plus que ces choses? Oui, Seigneur, je t'aime. Il demande cela. Il exige cela. Ce n'est pas que tu avais abandonné de par le passé. Ce que tu dois abandonner maintenant. Présentement. Pierre, Simon. M'aimes-tu? Pas de comparaison maintenant. faut pas plus que ces poissons. Est-ce que tu m'aimes? Point final, Seigneur, tu sais, je t'aime. Simon Pierre, même tu. Ah, au-delà de ton confort, de tes convenances. Au-delà de tes désirs, au-delà de tes de tes souhaits, au-delà de ton management de soi personnel et naturel plus que moi oui Seigneur il était triste Seigneur tu connais tout hein? tu sais que je t'aime c'est bon si tu fais cela comme tu avais fait au début en abandonnant toute chose alors paix mes brebis alors Pierre répondit et lui dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Ça, c'est bon. Continue de tout quitter. Continue de tout quitter. Et nous t'avons suivi. Continue de suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner Qu'est-ce que nous aurons Pierre, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce que nous aurons Nous avons tout quitté. Nous allons avoir quoi il y a une condition, c'est que tu continues de suivre, que tu ne le renie pas. Même à Mané ne le dénonce, ne le renie pas. Même dans le, 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 la cour de jugement, ne le renie pas. De maintenant jusqu'à ce qu'il t'appelle pour te faire enlever. Si tu continues de le suivre, alors tu vas recevoir beaucoup de choses. Les laboureurs du Seigneur doivent continuer de tout quitter et le suivre. Nous considérons Philippiens 3, Philippiens 3, 7, Philippiens chapitre 3, le verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, le verset 8. Et même, je les regarde, je les regarde. Je regarde toutes choses comme une perte. J'ai compté au verset 7. Mais maintenant, je continue encore de compter le présent. Comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue. Jusqu'à aujourd'hui, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ verset 9, et d'être trouvé en lui, non comme ma justice, non avec ma justice, je voulais dire celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient qui par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Section 2, section 2. Il dit, les libéralités. Constamment sans limite donner au consacré. Donner au consacré. Luc 22. Luc 22, 28. Luc 22, 28. Luc 22, 28, il a dit C'est vous qui êtes resté avec moi. Vous êtes restés, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Depuis que vous avez commencé, avec tout ce que m'ont fait les sadduciens, les pharisiens, c'est vous qui êtes restés avec moi. Avec tout ce qu'on lui a on l'a fait traiter, il a fait souffrir, ces gens-là ont continué avec lui. Qu'est-ce qu'il va leur donner Quelle récompense auront-ils Verset 29. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon père en a disposé en ma faveur. Je vous laisse le royaume. Je vous donne le royaume tel que mon Père me l'a donné. Le verset 30 Afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Ça là, là, ça ce n'est pas mon royaume. Ici ce n'est pas mon royaume. Mais si vous continuez avec moi et je parviens à mon, à mon royaume, le royaume éternel, vous mangerez et vous boirez, vous buirez, vous boirez avec moi dans mon royaume. Dis, je suis sauvé. Et il dit, vous allez vous asseoir également sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'il disait en disant ça Il dit, David le roi, lorsque nous serons là-bas, oui, il est là-bas, hein, mais il ne sera pas celui qui va s'asseoir sur le trône avec moi pour juger Israël. Il a dit Salomon, il ne sera pas celui-là qui va s'asseoir sur le trône de jugement pour juger Israël dit même les autres prophètes de l'ancien temps comme Esaïe, Jérémie, ils ne pourront, ils ne seront pas ceux qui vont juger les douze tribus d'Israël, mais ce serait vous qui êtes restés et continuez avec moi, qui avez, qui avez tout laissé, tout abandonné, et que vous êtes complètement donné à moi, sans réservation, sans privation. C'est vous qui serez assis sur les douze tribus d'Israël, les jugeants. Section 3, section 3, il parle de quitter courageusement et jamais regarder derrière, loin de sa commission. Jamais abandonner sa commission. Jamais euh, quitter ce que tu as décidé de donner ta vie. Ce à quoi tu as décidé de donner ta vie. Mais tu dois continuer et ne pas regarder derrière. Marc chapitre 10. Le verset. La dernière partie du verset 30. La dernière partie du verset 30 est dit Et dans le monde à venir, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous aurez si, vous aurez si, vous aurez si, mais vous aurez également la persécution. Et avec la persécution, vous demeurez et vous restez avec le Seigneur malgré la persécution. Vous aurez dans le siècle à venir la vie éternelle. La vie éternelle. La vie éternelle. C'est ce que vous aurez. Je dis c'est ce que vous aurez. Mais vous savez, vous devez continuer constamment, continuellement et persé avec persévérance, suivant le Seigneur, quelle que soit la persécution qui vienne sur notre chemin. Verset 31. Plusieurs des premiers seront les derniers. Plusieurs des premiers seront les derniers. Pourquoi, Seigneur Parce que, après qu'ils ont commencé de suivre et ils ont tout donné, ils ont tout engagé, il est parvenu à un point. Ils ne sont pas retrogradés. Hein? Ils continuent de suivre le Seigneur. Mais maintenant, ils ne donnent plus rien. Ils ne donnent plus tout de leur cœur. Ils ne donnent plus tout de leur vie. Tout ce que le Seigneur les a donné, ce que le Seigneur les a dit d'eux, ils continuent de suivre, mais il gardent d'autres choses. Il dit plusieurs de ceux qui étaient les premiers seront les derniers. Pourquoi Parce qu'au début, il a dit on dit à vos marques, partez. Prêt, partez. Et il est parti. Il courait, 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 courait. Il est au-delà de tout le monde. Maintenant, il a commencé par regarder le temps. Il regarde les circonstances. Et il a raccourci. Il a commencé par retarder. Sa, son allure. Et ceux-là qui couraient, qui couraient un peu, un peu auparavant, ont ramassé, ont magasiné de la chaleur, de l'énergie, et ils ont couru très vite. Et ils sont maintenant devant nous. Et on les voit devant, on dit Oh, laissez-les. Il n'a qu'à continuer de courir comme ça. Après tout, nous avons fait aussi pendant plusieurs années. Laissez-les courir, laissez-les courir. Je leur donne même le bâton, je vais aller me reposer un peu. Et, subitement, Christophe. Et ceux qui étaient les premiers sont maintenant les derniers sur la ligne. Et ceux qui étaient les derniers sur la ligne ont continué de courir, et ils sont maintenant les premiers. Et alors, la récompense qu'ils auront, ce n'est pas la récompense qui serait pour 50 ans ou 100 ans, ce serait une récompense pour toujours. Et ceux qui étaient les derniers qui n'étaient pas premiers qui sont premiers maintenant, et c'est eux maintenant qui seront en train de rester devant pour toujours, toujours, toujours. Et ceux qui étaient premiers, qui se sont euh, retardés eux-mêmes et qui ont dit je ne vais plus continuer par courir, n'a plus l'intention de garder le feu dans leur vie, ils sont maintenant les derniers, le dernier au temps où ils vont rentrer dans le royaume de Dieu pour les cent ans, les 1000 ans, les plusieurs années, les pour toujours, ils resteront les derniers. Prenez votre décision. Et faites votre choix. Vous voulez être qui Vous voulez être de quel côté Lorsque vous serez au royaume des cieux, dans le royaume des cieux, serez-vous celui-là qui serait dans la bassesse Vous allez continuer avec la nonchalance parce que la voix est trop, trop euh, rugueuse pour vous. Et vous dites euh, ce qui reste maintenant, vous devez savoir que ce n'est pas aussi beaucoup comme ce que vous avez déjà fait devant le Seigneur. Quelle que soit la fatigue, quelle que soit la lassitude, vous devez dire, je vais continuer de courir avec le Seigneur et prier le Seigneur pour recevoir la force et de courir et aller de m'envoler avec les ailes d'aigle et continuer de courir avec la même allure que j'avais prise au départ et même courir au-delà de cette allure. Et si vous êtes premier, vous continuez d'être premier. Et lorsque nous serons au ciel, vous serez premier au nom de Jésus. Il dit que beaucoup de ceux-là qui étaient des premiers, deviendront les derniers et les derniers seront les premiers. Quelle est votre position où Vous serez où À quel niveau serez-vous lorsque le Seigneur reviendra Vous pouvez prendre encore votre premier amour ce jour. Vous pouvez jeter toutes les autres choses et chasser les rivaux de votre maison et libérer vos chambres. Ceux qui compétissent avec le Saint dans votre cœur et les choses qui compétissent avec le Saint dans votre cœur et disent, Seigneur, donne-moi la première force, donne-moi plus de grâce, plus moi, plus de feu pour que je puisse continuer avec la force que tu vas me donner et la force de l'esprit, je continue de courir. Le Seigneur vous accorde cette grâce-là. Que le Seigneur vous accorde cette force et qu'il vous accorde la volonté de tout abandonner et de le suivre, le Christ seul, à quel que, soit, quel que soit le prix que cela puisse exiger. Vous le suivrez au nom de Jésus. Tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière. Et dites à Dieu, Seigneur, me voici, je vais continuer de te suivre. Dites-le à Dieu, je continuerai de te suivre. Parlez à Dieu. Je Me voici, Seigneur. Je continuerai de te suivre. Je vais continuer. Il voudrait que nous le suivions. Il voudrait que nous continuions le prix. Il voudrait que, comme nous courons vers Christ, comme nous avons couru vers Lui les années passées, continuons de le faire. Tel que vous avez demandé au Seigneur plusieurs années passées, demandez Lui encore. Vous, Seigneur, je veux voyager. Est-ce que je dois voyager? Je veux prendre ceci. Est-ce que je dois prendre ça? Je veux prendre. Euh, je vais te faire la priorité de ma vie. Afin que toutes mes questions et réponses, je puisse les avoir. Est-ce que je vais, je vais euh, laisser le management de soi et avoir la vie éternelle? Je veux retenir cette vie éternelle. Je veux obéir. Je veux savoir. Que dois-je faire? Comment dois-je aller? Où dois-je aller? Comment dois-je me consacrer pour pouvoir maintenir la vie éternelle? J'évacue, j'évacue tous les locataires de ma maison. Et je les fais sortir. Toutes ces choses qui ont pris mon attention. Et je les évacue complètement de mon cœur. Et je voudrais que Christ et Christ seul soit là. Christ et Christ seul dans mon cœur. Christ et Christ seul. Je voudrais qu'il soit mon sauveur. Je voudrais qu'il soit mon Seigneur. Je voudrais qu'il soit le contrôleur de ma vie. Je voudrais qu'il soit le tout en tout dans ma vie. Vous voudrez que le Seigneur soit présent dans votre vie. Vous voudrez... Que le Seigneur soit prominent dans votre vie. Et vous savez, la vie du monde, les actions du monde, et les, com les comportements du monde, les concentrations du monde, vous devez tout évacuer. Vous allez gagner quoi avec ça? Comment allez-vous passer votre temps? Qu à quoi donnez-vous votre temps? Vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie, vous donnez votre attention aux choses de ce monde. Et ces choses vont disparaître bientôt. Et vous n'aurez pas la fermeté avec le Seigneur. À quoi cela va te profiter Pourquoi ne pas examiner votre vie, examiner vos voies, examiner votre passion, examiner votre poursuite, examiner tout et dire Seigneur, tous ces, tous ces rivaux personnels, tous ces rivaux non plus, toi seul, tu seras mon sauveur et mon souvenir, mon Seigneur. Donnez-vous entièrement, complètement. Pleinement, au oh Seigneur, sans réservation. Dites-le à Dieu, au oh Seigneur, mon cœur, je te le donne. Mes attentions, je te les donne. Ma concentration, ma consécration, je te donne tout. Toi et toi seul posséderas ma vie. L'argent ne va pas me posséder. Les hommes ne me posséderont pas. Les femmes ne me posséderont pas. Les substances ne me posséderont pas. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Lorsque vous avez l'argent au-delà du maître Vous, avez, vous aimez la richesse au-dessus de sa parole. Vous aimez les richesses, l'opulence, plus que la justice. Pourquoi ne pas venir ce, 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 ce présent maintenant pour dire, Seigneur, je, je me suis découvert une chose que je manque. Il voudrait que tu laisses cette sorte de la possession par le monde. Il voudrait que tu abandonnes cela. Et il voudrait que tu dises, je suis venu Seigneur, je ferai ta volonté. Je vais obéir ta parole. Je vais me soumettre à tes conditions citées pour avoir la vie éternelle. Parlez, parlez à Dieu. Soyez sincère. Et faites de cet abandon une chose irrévocable. Je m'abandonne maintenant, je m'abandonne complètement, je m'abandonne pleinement, je m'abandonne sans regarder derrière. Celui qui... Mets sa main à la charrue et qui a les regards derrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Amenez tout votre cœur. Amenez tout votre amour. Amenez toute votre consécration. Amenez toute votre dévotion. Amenez celui que vous êtes complètement pour servir le Seigneur maintenant, à partir de maintenant, jusqu'à ce que le temps ne soit plus. Jésus pour la joie qui était réservée devant lui à mépriser l'ignominie et toi pour la joie la récompense qui est établie devant toi tu dois mépriser les persécutions mépriser Les choses qui essaient de nous griffer dans ce monde et qui ont la pensée des hommes, des choses qui attirent leur attention et qui attirent l'attention des pèlerins envers le ciel. Nous devons tout laisser sur l'autel. Tout. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui. Je donne avec volonté. Je l'aimerai et je lui fais la confiance de le suivre tous les jours de ma vie. Le suivant avec vérité. Le suivant avec persévérance. Le suivant avec passion. Le suivant objectivement à tout moment. Vous n'allez pas retourner en arrière vers les. Vous n'allez pas retourner comme le jeune homme riche. Il était triste parce qu'il avait de grands biens. Y a-t-il quelque chose qui est trop dur pour toi d'abandonner pour ton Seigneur, d'abandonner pour ton Maître et ton Rédempteur y a-t-il quelque chose qui va te priver de mener la vie de consécration jour après jour, ne jamais regarder derrière, t'abandonnant entre les mains du Seigneur, comptant le prix, comptant les conséquences, si tu retournes en arrière, vous allez perdre ses faveurs, vous allez perdre les fruits. Vous allez, perdre sa, vous allez perdre sa bonté ici, dans le monde présent et dans le siècle à venir. Vous allez rater la vie éternelle. Vous allez rater le fait de s'asseoir sur le trône et faire partie des saints qui vont juger le monde. Vous allez rater le privilège que les autres qui ont continué jusqu'à la fin auront à la fin des temps. Ce ne serait pas pour 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, mais ce serait pour toujours, pour toujours, pour toujours, éternellement. Donnez de votre meilleur au maître. Donnez de votre temps au maître. Donnez de vos trésors au maître. Donnez toute votre possession au maître. Faites comme il a dit. Suivez-moi. Faites comme il a dit. Donne ton temps au oh, Seigneur, le temps de qualité. Donne et fais comme il a dit. Que ton âme soit contente comme tu l'écoutes. Voici le chemin. Quand il parle, marche-y. Fais comme il a dit. Sois sanctifié. Sois purgé, sois purifié. Ne permets pas aux choses de ce monde, les choses tangibles, les choses physiques, les choses qu'on peut toucher dans ce monde, de saisir ton cœur et de l'arracher du Seigneur. Donne-lui tout, continuellement, constamment, consiste, avec consistance. Fais comme il a dit. Suis-le. Suis entièrement. Aime-le. Au-dessus de tout homme. Aime-le. Au-dessus de toute femme. Aime-le. Au-dessus de quiconque. Laisse-le voir que tu as ses premiers amours. Ces premiers amour, cette première consécration, cette dévotion première à lui, à lui seul. Vis avec la conscience que tu es en train d'obéir à toutes les paroles de Dieu. Demande plus de grâce demande plus de force demande pour plus de capacité divine et c'est le et suis-le de tout ton cœur de toute ton âme de toute ta pensée et avec toute la passion et la force de l'esprit au-dedans de toi. Aime-le, sais-le et tiens-toi au Seigneur. Garde ton premier amour, ton premier zèle. Ta première passion, ta dévotion première, tout ce que tu avais laissé sur l'autel auparavant, ne prends pas quelque chose, ne prends rien de l'autel. Garde tout sur l'autel, garde ton sacrifice sur l'autel. Au nom de Jésus, nous prions. Père céleste, nous te disons merci pour nous avoir rapprochés de toi, nous révélant ta pensée, exposant ta pensée à chacun de nous. Tu nous as touchés et tu as touché de différents coups dans les cœurs de différentes personnes, membres, ministres, tout le monde. Nous prions Seigneur, nos cœurs vont répondre de façon appropriée à toi dans toutes choses au nom de Jésus. Et la grâce qu'il faut, la force qu'il faut, et la sincérité, la transparence intérieure pour te suivre, nous prions que tu l'accordes à tout le monde au nom de Jésus. Nous ne parlons pas aujourd'hui seulement de nous donner ceci, de nous donner cela. Tu sais ce que tu vas nous donner. Tu sais avec quoi tu vas nous récompenser. Dès que nous allons commencer et rester sur l'autel et tout déposer sur l'autel, tu es un bon Seigneur, tu es un bon maître, tu es un bon manager, tu es un bon directeur. Tu feras ce qui est juste pour chacun de nous. Et nous prions Seigneur que tu accordes à chacun de nous la fidélité maintenant, pour toujours. Donne-nous, Seigneur, la dévotion, l'abandon de soi, la soumission, que nous abandonnons tout à toi au nom de Jésus. Et quelque soit ce que tu vas faire aujourd'hui, nous disons, Seigneur, Seigneur, accorde à chacun de nous tes enfants, accorde à tous les saints d'abord, donne-nous de prendre soin de ce que nous pouvons qui est le fait de soumettre, de se consacrer, de s'abandonner, de d'être obéissant et de faire ce que tu nous as dit de faire. Et nous sommes rassurés que nous n'avons pas en train, nous ne sommes pas là pour te pousser, te forcer les mains, de te tirer. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Tu feras ce que tu dois faire. Et nous, nous ferons ce que nous devons faire. Nous prions Seigneur que cette grâce pour être vraiment conscient, de la présence du Seigneur, les préceptes du Seigneur, les exigences du Seigneur, que cette grâce d'être conscient de tout cela et de faire notre part, accorde-le à tout le monde. Et nous avons la confiance, nous croyons que tout ce qui doit être juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est profitable, tu nous donneras à ton, nous, ton peuple. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions.